RFM. Le petit monde d'Anthony. Éloignez les enfants, il est là. Ouais. Anthony, ah. Bonjour. Bonjour, en plus, je les déteste. Hein, vraiment. Enfin, Non, mais en plus, il dit la vérité. Oui, ben non. Non. Allez, on y va. Faculté d'Anthony Ruiz. Ne l'encouragez pas. On y va. Anthony Ruiz, on va commencer avec Ça tombe mal. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, diffusé hier soir sur M6. Nouvelle saison, nouveau candidat à la recherche de l'amour. Hein, tout le monde connaît le concept. On a fait la connaissance de Cyril, qui n'a connu qu'une seule relation en 7 ans. Et la situation est assez pesante, surtout pour ses parents. Il n'a toujours pas de copine. Et il n'a toujours pas de petits enfants. Il est temps, quoi, voilà. Alors, je ne vais pas foutre la merde, mais il faudrait peut-être se poser des questions quand même. Hein. Enfin, 39 ans, pas de copine. Ça sent mauvais quand même, les gars. Mais le père est vraiment en train de pleurer. Le père pleure parce qu'il veut des petits enfants. Ouais. C'est pas du tout moi plus tard, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Hier soir, sur C8, nouvel épisode de Bienvenue au monastère. Dans laquelle des célébrités expérimentent la vie dans un monastère, hein, d'où le titre de l'émission. Parmi elles, Clara Morgan, qui s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de points communs avec la sœur Catherine. Ce qui est dingue, c'est qu'on est de la même année. Hein. Du coup, on a 42 ans toutes les deux. Et ce qui nous différencie vraiment beaucoup, au final, c'est nos choix de vie. Tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. Il y a l'opposé. C'est peu de le dire. Alors bien sûr, on se moque, mais on l'aime beaucoup, Clara Morgan, qui pour le coup est extrêmement touchante dans cette émission, et non touchée, comme ce fut le cas très longtemps. Voilà. On fait un petit tour sur l'île de la Tentation. Qui a fait son grand retour sur W9, l'île de la Tentation, ou comment tester son amour. Bah déjà en n'y allant pas, je crois que c'est assez, assez logique. Tu vas te retrouver avec des filles au gros tétou, prêtes à dégrafer le soutif quand elles en portent, et des garçons au corps que personne dans ce studio n'aura jamais dans la vie. Voilà. À part en fantasme, exactement. Je vous propose de faire connaissance avec un des couples. Après leur rencontre il y a 6 mois, tout est allé très vite entre Kelly et Enzo. Alors deux choses, déjà s'appeler Kelly Enzo, on part mal, hein. Ils doivent être de Douai ou Aniche dans le Nord Pas-de-Calais, et faire l'île de la Tentation au bout de 6 mois de relation, bah on a compris qu'ils vont pas repartir ensemble, hein. On va quand même pas se mentir. Il y a des chances. Ouais, il y a beaucoup de chances. Autre couple, Salomé et Timothy. Ils viennent de se fiancer, mais au début de leur relation, la fidélité n'a pas toujours été au rendez-vous. Bah nickel, mon mec m'a trompé, pour consolider mon couple, qu'est-ce que je fais? Je la mets sur l'île de la Tentation, quelle merveilleuse idée. Non mais vraiment idiote, je voulais aussi vous présenter une tentatrice. Hola, je m'appelle Maëlys, j'adore être dans la séduction quand c'est caliente. J'ai 23 ans, je suis de Vesoul. Elle est de Vesoul. Alors je sais pas si c'est caliente de venir de Vesoul, mais ok, pourquoi pas. Faisons un tour. Il y a de tout. Hein. Maintenant, du côté des tentateurs. Il fait comprendre qu'en venant ici, vous avez tous des doutes. Moi j'ai une phrase pour vous, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Un futur philosophe des Lumières, mais ça fait plaisir des dents. Hein, bravo Anthony, bravo, c'était super. Bravo Anthony, on salue évidemment Aniche, Douai, Vesoul. Oui, bien sûr, ne soyez pas fâchés les amis, c'est juste pour rire. Anthony Ruiz qui est tous les matins avec moi à 7h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.